Je vais détruire Bianca. La nouvelle campagne de Bespor sera un fiasco. Qu'est-ce que tu comptes faire? J'ai déjà fait le premier pas. La personne qui va m'aider ne va pas tarder à arriver à Luang. Je n'ai jamais connu quelqu'un aussi déterminé que toi. Non seulement tu lances une campagne musicale, mais en plus tu as déjà tout prévu pour couper les ailes de cette chère amie. Le château de cartes de Bianca va commencer à s'effondrer. Elle n'imagine même pas ce qui l'attend. Le succès et l'argent. C'est ce qui t'attend une fois que la campagne sera lancée. J'ai l'impression que tes rêves font partie des miens. Je dois parler avec l'avocat de la société pour élaborer le contrat. Très bien. Et ensuite? Ensuite, il suffira de le signer et de commencer à travailler sur la campagne. Les bonnes nouvelles ne vont pas tarder. Et voici la première. Venez tous, s'il vous plaît. J'ai quelque chose à vous dire. Bougez-vous. Bespor va lancer une nouvelle campagne. Erikson Leal en sera le représentant. Je suis ravi que tu intègres notre équipe. Pas autant que moi, j'en suis sûr. Je veux que ce soit la meilleure campagne publicitaire que l'Angola n'aura jamais vue. Ça consistera en quoi, madame? Toi, tu continueras à répondre au téléphone. Et Marcos, notre responsable marketing, planifiera tout. Je veux que tout le monde parle de Bespor. Je vous promets qu'on fera tout pour que cette campagne soit inoubliable, madame. C'est très bien d'être enthousiaste. Si quelqu'un a une idée de génie, qu'il la partage avec Marcos, on a une année de travail. Bougez-vous. Au travail. Vite. Clyde, où est Carlos? I have not idea, Weaver. C'est une incantation adressée au diable que tu viens de faire. Je pratique mon anglais comme vous l'avez ordonné. Alors oublie cet ordre. Il date du temps où je pensais qu'une multinationale s'installerait dans l'immeuble. Ce n'était que la société de Joël Capala. Oh, et moi qui croyais vous faire plaisir. Arrête tes jérémiades et réponds à ma question. Où se trouve mon frère? Il n'est pas encore là. Arrête, Vanessa, je vais être en retard. Mon amour, tu n'es pas à une minute près. Allez, j'ai mal aux épaules et aussi aux côtes. J'ai tellement envie que tu me fasses un massage dont tu as le secret. Non, mais t'as vu l'heure qu'il est? Bianca a déjà dû prononcer mon nom une centaine de fois. J'ai envie de faire l'amour. Mais tu ne peux pas attendre 24 heures, Vanessa. Chérie, je voudrais encore recommencer aujourd'hui, demain, après-demain. Écoute, ma chérie, je te l'ai déjà dit. Le sexe, c'est comme un bon film, tu vois? Qu'est-ce qui se passe quand tu vois un bon film des centaines de fois? Tu finis par t'enlacer. Non, je ne me lasserai jamais de toi. Et une fois par semaine, ce n'est pas assez, Carlos. J'en veux plus, plus et encore plus. Mais tu n'es pas au supermarché, Vanessa. Mon chéri d'amour, pourquoi tu ne veux pas faire l'amour avec moi? Pourquoi? Tu ne me désires plus, c'est ça? Je dois répondre. Tu donnes plus d'importance à ton téléphone qu'à moi, Carlos. Excuse-moi, ma chérie. Oui, Bianca? Qu'est-ce que tu fais? Tu arrives? Tu viens travailler ou j'embauche un autre avocat? Non, j'ai eu un problème. Je serai là dans une demi-heure, ça te va? Dépêche-toi. J'arrive. Tu exagères, une demi-heure, c'est pas assez. Arrête, chérie. Arrête, Vanessa. Oh, chérie, pourquoi tu râles? Tu es déjà en retard. Viens, allez, on va profiter des 29 minutes qui restent. On voit bien que tu ne travailles pas tous les jours. Tu ne sais pas ce que c'est, l'heure des bouchons. Bianca est complètement sur les nerfs. Des excuses, toujours des excuses, j'en ai marre. Oh. Je vais commencer à croire que tu ne m'aimes plus. N'invente pas des trucs qui n'existent pas, d'accord? Tu sais bien que je dois y aller. Tu sais que je t'aime. Hein? Moi aussi, je t'aime. Où est Carlos? Il ne vient pas prendre son petit déjeuner. Il est avec moi? Non, ça veut dire qu'il ne vient pas. Excuse-moi, je te posais juste une question, ma chérie. Il est parti travailler. Il a beaucoup de choses à faire aujourd'hui, maman. Je vois. Ta mauvaise humeur est quotidienne, comme le pain frais qu'on a tous les matins sur la table. Il y a des gens qui se réveillent de mauvaise humeur. Passe-moi le lait, s'il te plaît. Ma chérie, la bonne humeur vient directement de la chambre à coucher. Ce genre de théorie est complètement idiot. On commence par consulter les livres sur la sexologie. Ensuite, pose-toi des questions sur la routine sexuelle, comme je l'ai fait avec ton père. Il n'y a pas de sucre dans cette maison. Écoute, ma fille, tu sais qu'en faisant ça, tu résous beaucoup de problèmes sexuels. Je n'ai aucun problème. Mais si maman insiste à avoir cette discussion, eh bien continue. Le rêve, le fantasme. La chambre est l'endroit où la vie commence et où finissent nos journées. Il faut appeler le désir. Qu'est-ce que tu veux dire? Je dois changer la déco de la chambre, c'est ça? Change ce qui doit être changé. Prends des risques, ma fille. Ose tout, ma chérie. N'aie pas peur d'être heureuse avec ton mari.
Excuse-moi pour le retard. J'ai eu tout le temps de virer mon équipe et d'embaucher de nouveaux incapables. Bianca, laisse tomber l'ironie. De quoi as-tu besoin? J'ai besoin que tu prépares rapidement le contrat pour le nouveau visage des Besport. Voici le contrat de l'ancien modèle avec la copie de la lettre. Erickson Léal, bon choix, Bianca. Félicitations. Ouais, ce gamin a la tête de l'emploi. J'entends déjà les hurlements des fans quand ils auront vu la campagne et le bruit des dollars qui tomberont sur mon compte en banque. Tu vois, Bianca, Erickson est un bon choix, mais comme je te l'ai déjà dit, les retombées seraient bien meilleures si tu prenais une femme. Les gens intelligents ne commettent pas deux fois la même erreur. Je n'ai pas oublié ce qui s'est passé avec le contrat de Claudia Rodriguez. Cette fille t'a marqué, c'est ça? Il n'y a de place que pour une femme chez Besport. Et c'est moi, et dans la vie de Greg également. Est-ce que tu comprends ou je dois te faire un dessin? Non, j'ai compris. Bon, je te laisse. Invente une excuse, n'importe laquelle. J'ai besoin que tu ailles chez Besport et que tu découvres ce qui se trame avec leur nouvelle campagne. Voyons, ne t'inquiète pas. Tout sera réglé au moment où ton invité arrivera à Luanda. C'est exactement ce que je veux. Avoir une marge d'avance vis-à-vis de Bianca. Ils sont arrivés, on en reparle plus tard. Bonne chance. Je vous remercie d'être venu. On peut commencer. Avec plaisir. Michaela, s'il te plaît. Oui, monsieur. Je vous laisse. Vous êtes prêt à commencer? Allez-y. Aujourd'hui débute une nouvelle étape. Musicao lance officiellement une campagne pour trouver de nouveaux talents angolais. Monsieur Capala, par quels moyens les chanteurs pourront se faire connaître de votre société? En envoyant leurs démos et leurs maquettes. Nous voulons entendre leurs voix, votre musique. Et que gagneront les meilleurs? Les meilleurs signeront un contrat chez Musicao. Les démarches à faire pour nous faire parvenir votre travail sont les suivantes. Mais avant de parler de ces démarches, laissez-moi vous expliquer comment Musicao considère la musique actuelle angolaise. Tout ça... Bonjour, Clay. Oh, c'est vous. Bonjour. Je peux te parler une minute? Oui, mais vite, alors. Je dois aller à Sainte-Agnès chercher des papiers et je n'ai que l'heure du déjeuner. Je ferai vite. Tu sais quoi sur Erickson Léal? Il est ici. J'ai l'impression que votre visite n'a pas un but professionnel. S'il te plaît, sois discrète. C'est que je l'ai vu arriver ce matin et il est tellement sexy que je n'ai que lui en tête. Il est parti, mais soyez tranquille, vous allez très souvent le voir. Oh bon? Oui. La patronne est en train de préparer la plus grande campagne de presse pour Besport. Et Erickson Léal en sera la star. C'est sérieux? Alors je crois que je vais me faire embaucher ici. Vous pourrez venir me voir autant de fois que vous voudrez. Je serai votre excuse. Ne me redis pas ça deux fois. Tout est là-dedans. Le calendrier des prochaines évaluations et puis... Ce n'est pas ce que je veux savoir maintenant. Et le client, il nous a donné 24 heures pour obtenir ce qu'il veut. Tu as fait ce qu'il fallait? Pas encore. Et qu'est-ce que tu attends, William? Qu'il mette le nez dans nos affaires pour savoir Margarita, où il va? Margarita, si tu continues à crier comme ça, il n'aura plus rien à demander. À Sainte-Agnès, les murs ont des oreilles, comme partout. On n'a plus beaucoup de temps, William. Il ne veut ni montre de luxe, ni pot de vin, ni je ne sais quoi. Je le sais très bien. Alors donne-lui ce qu'il veut. Mais si c'était aussi facile que ça, tu crois qu'on aurait tout ce stress? Il faut absolument faire quelque chose. Quand ça a commencé à mal tourner, tu as dit que c'était à moi de m'en charger. Alors prends sur toi et laisse-moi résoudre ça à ma manière. Attends, William. Écoute-moi bien. Je te conseille d'oublier que j'existe pendant quelques jours. J'en ai assez d'entendre tes reproches. Elias? Oui, monsieur William. Tu as vu Vilma? Une des élèves qui suit mes cours de droit. Je vois qui c'est. J'ai besoin de discuter avec elle, tu l'as vu? Elle était là il y a une seconde. Merci, Elias. Voilà, tu as tout ici avec ces notes, c'est sûr que tu auras de meilleurs résultats. Merci, Vilma, tu me sauves. De rien, Clyde. Si tu as besoin d'autre chose, tu sais où me trouver. Tout va bien, mademoiselle? Oui, monsieur William. Vilma, j'ai besoin de discuter avec toi de ton dernier exposé. Maintenant? Oui, c'est plus qu'urgent. Vous n'avez rien à me dire, professeur? Mon devoir était bon? Assure-toi, Clyde. Je n'ai rien à redire sur le tien. On y va? On y va. Il n'y a personne. Discutons ici. Entre.
Que se passe-t-il? J'ai un cours dans quelques minutes. Je n'en aurai pas pour longtemps. J'ai besoin d'une faveur. Quel genre de faveur? Du genre que tu ne peux pas refuser. Monsieur, je vous ai dit que je ne voulais plus continuer... Si tu ne m'aides pas, Vilma, les choses iront de plus en plus mal. Pour tout le monde. Je ne voudrais pas insister lourdement, mais il n'y a aucun élève pour ce cours. Est-ce qu'ils sont au courant que le rattrapage a commencé? Nous avons communiqué à toutes les classes que le rattrapage de physique-chimie a démarré cette année, Roberto. Ils ont eu toutes les informations? Est-ce qu'ils savent au moins que ces cours sont gratuits? Le communiqué l'expliquait clairement. J'ai ajouté qu'ils pouvaient venir au secrétariat demander plus d'explications. Ce n'est quand même pas normal qu'il n'y ait personne. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, tu sais, on a fait notre part du travail. C'est à eux de voir maintenant. Bonjour. Je voudrais m'inscrire pour les cours de soutien de physique-chimie. C'est moi qui fais ce cours, Roberto. Enchanté, moi c'est Samuel. Premièrement, oui, vous aurez d'abord à remplir un formulaire. Il faut qu'on discute des horaires. Je suis libre. Et toi? Ouais, moi aussi. On peut commencer quand vous voulez. Il y a une procédure bureaucratique à suivre. Roberto, laisse-moi parler avec cet élève. Et ensuite, je vous ai... Soria, tu viendras faire la paperasse tout à l'heure. Maintenant, on a assez discuté parce que l'énergie cinétique nous attend. Hein? Viens, Samuel. D'accord. Incompétente! Tu aurais dû faire quelque chose pour empêcher cet étudiant d'avoir le cours de soutien avec Roberto. L'empêcher? Mais comment ça? Roberto était à côté de moi et l'étudiant juste en face. J'aurais dû faire quoi? Lui donner de l'argent pour qu'il sorte du bureau? Il ne manquait plus que ça, faute professionnelle. Qu'est-ce qui va se passer, Margarita? Retourne à ton mètre carré d'insignifiance. Je verrai ça avec Roberto. Alors? T'as bien compris? Oui. J'ai parfaitement compris, mais... Je vous ai déjà dit que je ne voulais plus et... entendu ce que je viens de dire. Le problème est grave. Et plus que grave. Écoutez, monsieur William, je vous répète. Dis-moi que... seulement, Vilma. Je peux compter sur toi, oui ou non? William? Un instant, je suis en train de régler une affaire importante. La directrice m'a attribué cette salle pour donner un cours de soutien. Monsieur William, excusez-moi, je dois aller en cours. Vilma, on n'a pas terminé. Non, attendez un instant, j'ai une question à vous poser. Je suis occupé, monsieur Roberto. Samuel, prépare tes affaires, j'arrive. Est-ce que vous savez s'il y a beaucoup d'élèves inscrits au cours de soutien? Oui, d'après ce qu'on m'a dit. Pourtant, je n'ai eu qu'un seul élève jusqu'à présent. C'est vrai que la physique-chimie est une matière difficile. Vous croyez que j'aurai bientôt d'autres élèves? Vous en aurez d'autres à l'approche des examens. À plus tard. Hein? Monsieur William? Monsieur pas William? Pas maintenant, Elias, j'ai pas le temps. C'est que Madame Margarita vous demande. D'accord, plus tard. Elle a dit maintenant, il paraît que c'est urgent. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas beaucoup de temps, Margarita. J'aimerais savoir ce que tu fais ici. Alors, ça gaze, William? Lucio, je ne vais pas te dire que ça me surprend de te voir ici parce que tu dois t'en douter. Je suis juste venu pour résoudre mon problème. Tu te trouves là sur mon lieu de travail. Allons discuter de ça ailleurs. Attendez, j'ai mon mot à dire. J'ai déjà expliqué à ce monsieur que les questions d'ordre personnel sont à traiter en dehors de cette université. Et moi, j'ai déjà dit à la directrice que je ne voulais pas la déranger. Mais il y a des limites à respecter. Je regrette, monsieur, mais je ne suis au courant de rien. Professeur William... Un instant, madame. Alors, William, tu lui expliques où je m'en charge? Si tu préfères, je lui raconte tout en détail. Je n'ai pas besoin de savoir. Les histoires privées des enseignants ne m'intéressent pas. Si je suis venu, c'est que j'avais pas d'autre alternative. William devait régler une affaire. Il s'agit d'un malentendu, madame la directrice. Nous allons sortir tout de suite. Pas question. Moi, je vais nulle part. Je t'ai donné 24 heures et jusqu'à présent, tu n'as rien fait. Je suis en train de régler cette affaire. Mais les 24 heures sont passées. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je m'en vais, c'est ça? Pour votre gouverne, cette université est une institution respectable. Je ne veux aucun scandale ici. Tout dépend du professeur William, pas de moi. Il a fallu que je te cherche partout pour tomber sur toi. Tu attends peut-être que je t'adresse des félicitations. Tu as ce que je veux, oui ou non? Accompagne-moi dehors et on discutera de cette affaire. Si tu ne dis rien, madame, je vous ai déjà dit que je ne voulais rien savoir. La seule chose que je sais, c'est que vous allez régler vos histoires en dehors de mon université et maintenant. Suis-moi, Lucio. Dis donc, Lucio.
T'es complètement malade ou quoi? Tu sais très bien que tu n'as rien à faire ici. Maintenant, tu sais ce que je suis capable de faire quand je veux quelque chose. Je suis en train de régler cette affaire. J'ai juste besoin de quelques heures, bon sang. Alors écoute-moi bien, je te donne jusqu'à ce soir. Si la marchandise n'est pas ce soir entre mes mains... Elle le sera, je te le promets. Attends, si t'essaies de me doubler, c'est pas à ta présidente que je vais le dire, mais à la ville tout entière. Professeur. Tu ne contrôles plus rien. Comment tu as pu laisser ce type arriver à ta porte s'il avait parlé à quelqu'un d'autre que moi? Mais ce type est fou. William, tu dois résoudre cette affaire une fois pour toutes. Margarita, j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais j'ai aucune garantie absolue que la marchandise arrivera comme il le souhaite. Mais comment ça, William? Tu ne vois pas qu'on a le couteau sous la gorge? On ne peut rien faire d'autre qu'attendre. Et prier pour que notre vie ne se termine pas demain. Je rêve, Ivo. T'es pas encore prêt? On devrait déjà être sur la route, bon sang. J'ai pas fermé l'œil de la nuit en pensant que j'allais avec toi à Luanda dans cette bagnole de rêve. Ça va être Jordan, le pied. Va chercher ta mère et Nina. Je me demande ce qu'elles sont encore en train de faire. Tiens, reprends-le. Merci. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette tête? On va à Luanda, on va pas à un enterrement, allez. C'est simple. Rien que de penser que je vais avoir mes deux familles dans la même ville, il faudra un miracle pour que les choses ne changent pas. Si jamais Rose apprend l'existence de Nahir... Si Nahir apprend que Laura est morte et que tu as épousé Rose, alors là... Comment? Mais tu veux ma mort ou quoi? Tu vas finir par y arriver si c'est continue, alors arrête. Du calme. Hein? Je suis juste un peu sur les nerfs de penser que j'irai avec toi au Dieji. Quand tu iras voir Nahir, moi, j'irai voir la gazelle de mes rêves. Oh non! Attendez, je vais vous aider. Oh, merci, c'est gentil. Ces sacs ne sont vraiment pas solides. Ce sont des produits de beauté? Oui. C'est pour ça que vos mains sont si soignées. Merci encore. De rien. Bon, maintenant, vous savez où me trouver. Oui, à bientôt peut-être. Une de ces gazelles, Ivo. Attends, si ça se trouve, Nahir la connaît? Avec ce déménagement, je ne sais pas comment je vais faire pour passer du temps avec Nahir, et encore moins les nuits. Tu trouveras une excuse, Ivo. T'en as toujours trouvé, t'inquiète pas. Il va falloir que je tienne à jour une sacrée liste de bonnes excuses pour que Rose et les gosses ne se méfient de rien. On n'attend plus que vous. Bruno et papa s'impatientent. C'est plus difficile que je ne l'imaginais. On va rester coincés plusieurs heures dans la voiture. J'avais pourtant demandé à ton père qu'on prenne l'avion. Je voulais parler de cette maison. Mon cordon ombilical est ici. La maison qui nous a vu naître et grandir et où on a été heureux restera jamais notre maison. La maison où je suis née était tellement minuscule qu'elle ressemblait à une boîte de sardines. Vous n'imaginez pas combien j'étais heureuse de la quitter. T'y viens? Allez, dépêche-toi. Allez, monte, gamin. Hé, hey, Ivo, n'oublie pas d'appuyer sur l'accélérateur. Pas trop, mais toi, attention à la vitesse. L'important, c'est d'arriver à Luanda, pas au cimetière. J'aurais besoin d'un bon massage quand on sera arrivé là-bas. J'aurais même pas le temps de me balader en ville. Mes cours commencent très vite. Les derniers arrivés seront des nuls. Luanda, me voilà. Lubango, adieu. Maneira de ser, hoje a festa no quintal. Manazinha vai casar, eu e eu. Como sou amigo do noivo, vou sair mais cedo do salo, porque hoje é sexta-feira. Mas agora é hora de ponta, minha cabeça já está tonta. Trânsito na capital, comportamento. Ah, Jamila, Gerson, c'est mon petit trésor, il est la lumière de mes yeux. C'est pour lui que je travaille souvent tard ici et que je supporte la mauvaise humeur de certaines clientes. Ça n'a pas dû être très facile pour toi d'élever cet enfant pratiquement toute seule sans son père. Ah oui, ma chérie, ça n'a pas été facile. Mais tu sais, l'amour d'un enfant te fait oublier tous les problèmes. Hein? Ivo ne vient pas souvent à Luanda? C'est-à-dire que... Et sa présence ne te manque pas?
Hey, arrête enfin, c'est quoi toutes ces questions? On est ici toutes les deux pour parler de Gerson et Clyde. J'ai l'impression qu'ils sont amoureux. Non. Enfin, je crois que non. Quoi, tu ne le crois pas? Toutes ces histoires de soutien d'anglais, c'est une façon de nous le cacher, bien sûr. Ces deux-là sont amoureux, je te le dis. Pour moi, ils sont seulement amis, Nahir. Mais l'amour commence toujours par l'amitié. Clyde est une petite très mignonne, intelligente, travailleuse. Elle sera une belle fille parfaite. Et elle nous fera de beaux petits. Tu ne crois pas? Des petits enfants? Mais il se passe rien avec Clyde. Il faut que tu en parles avec ta mère, Gerson. Nahir n'arrête pas de parler de vous deux, de poser des questions. Mais pourquoi? Pourquoi faut-il que ma mère te mette dans la tête cette histoire avec Clyde? Nahir est mon ami. Je sais que vous vous voyez, ne te moque pas de moi. Mais je ne veux pas continuer dans le mensonge. Tu dois résoudre cette situation, je t'en prie. D'accord? Salut, Clyde. Entre. Tu vas bien? Ouais. J'ai des nouvelles. Attends, tu me raconteras plus tard parce que j'ai besoin de te dire quelque chose. C'est à quel sujet? Écoute, j'ai bien réfléchi et je pense qu'il faudrait qu'on arrête avec ces cours de rattrapage. Tiens, c'est drôle, je voulais justement t'en parler. Ma patronne n'exige plus que les employés parlent anglais. Ça veut dire que t'as plus besoin qu'on travaille? Non, mais j'ai envie de continuer à te voir. Tu me plais énormément et je suis amoureuse de toi. Mais on est amis, toi et moi. Oui, mais je veux pas être juste une amie. Je suis folle d'amour pour toi. Clyde, arrête ça. Rentre chez toi, c'est préférable. Rentre chez toi, Clyde. Je t'en prie, excuse-moi. Pourquoi? Parce que je suis pas l'homme qu'il te faut, Clyde. Je suis si moche que ça? Non, pas du tout. T'es très mignonne. Tu es élégante, intelligente. Et... Mais non, non. Pourquoi tu veux pas qu'on sorte ensemble? Parce que toi et moi, je sais que ça ne pourra pas marcher. Je sais que ça ne marchera pas. Rentre chez toi, s'il te plaît. Clyde? Clyde, qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Désolée, j'ai pas envie de parler. Clyde! Clyde! Oh, Seigneur! Mon chéri, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui s'est passé? Je viens de rencontrer Clyde, elle était en larmes, la pauvre. Maman, il vaut mieux que tu t'assoies. Pourquoi je dois m'asseoir? Mais qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux, mon fils? Je pensais que tout allait bien, que ça marchait entre elle et toi. Il n'y a rien du tout entre Clyde et moi, maman. Ah non? Non. Maman. Oh, dis-moi. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Priscilla? 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 Ah! Tu m'as fait sursauter. Excuse-moi, j'étais distraite. Du calme, ma jolie. Je ne veux pas faire de mal à ton petit cœur. Mon petit cœur ne risque rien là-dessous. Je peux le voir. Non. Tu bois quelque chose? Si oui, dépêche-toi, je dois regarder une émission. Mais c'est Joël. Je le connais très bien, tu le savais? Moi aussi. Ce qu'il est beau. Il est venu ici l'autre jour avec ta cousine. En envoyant leurs démos et leurs maquettes, nous voulons entendre leur voix, vos voix, votre musique. Et que gagneront les meilleurs? Les meilleurs signeront un contrat chez Musicao. Les démarches à faire... Les nouveaux talents de Musicao. Je n'arrive pas à croire que ce beau garçon travaille chez Musicao. T'étais pas au courant? Non. C'est lui le Big Boss. Ce type a fait une grande fête pour l'inauguration de sa maison de disques. Waouh, c'est vrai? Quand je pense que je l'ai croisé plus d'une fois. Zut alors, j'étais devant la porte du paradis et je vais tourner le dos. Attends, je peux t'emmener au paradis, tu sais. Comment ça? Lui et moi, on est des potes et on se connaît depuis très longtemps. Ouais. Des potes, c'est ça. Mais c'est la stricte vérité, Priscilla. On se connaît depuis l'enfance. J'ai même sa carte de visite. Montre-la-moi. Attends que je prenne mon portefeuille. Regarde, la voici. Waouh! Joël Capala, directeur général de Musicao. Cette carte vaut bien plus qu'une carte de crédit. Très bien, ne l'achète surtout pas, elle est pour toi. Oh, merci. Attention, je vais te faire payer ma gentillesse. Arrête.
Mademoiselle Priscilla, j'ai l'impression que vous vous préparez à partir alors que vous êtes en plein service. Oh, Monsieur Bento, je reviens de suite, je vous le jure. Comme la dernière fois, j'en doute. Oh. Nahir! 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 L'horloge de Monsieur Bento est en train de tourner. Je n'arrive pas à en croire mes oreilles, Gerson. Je pouvais pas te mentir plus longtemps. Mon fils, tu n'as pas réussi à trouver une autre façon pour exprimer tes sentiments à cette Clyde est sortie d'ici, la mort dans l'âme. Elle est amoureuse de moi, maman, mais je ne ressens rien pour elle. J'ai été sincère, il fallait que je lui dise. Tu lui as dit, tu crois qu'il y a beaucoup de filles aussi bien qu'elle dans ce quartier? Il y a quelqu'un? Qui sait encore? Naïve. C'est la voix de la serveuse du café d'à côté. Naïve. J'arrive. Oh, je suis désolée, j'ai frappé au salon, mais comme tu n'as pas ouvert, je suis venue ici. Salut, Gerson. Salut, ça va bien? Tu ne peux pas rester. Je ne prends plus de cliente pour aujourd'hui. J'ai juste promis à Vesa de lui faire les ongles. Du calme, donne-moi juste une date. Mais fais très vite parce que Monsieur Bento est comme un moustique qui va foncer sur moi. Oh, du Seigneur, venez à mon aide. Je n'ai même pas mon agenda sous la main. Allez, Nahir! Vesa aurait déjà dû arriver au salon. Viens avec moi et je vais te trouver une place. C'est très Gerson, gentil. À plus tard, maman. Salut, Gerson. Passe au café quand tu veux. Ton sourire éclatant me manque énormément. Très bien, je passerai un de ces jours. Super. Ciao. Regarde, je ne peux pas te le donner. L'agenda est complet. Oh, trouve-moi une place, Nahir. Tu dois m'en trouver une. Et si je venais avant l'ouverture? C'est possible. Je t'en supplie. Pourquoi es-tu si pressée? Tu as déjà des poils sur les jambes. Nahir, mais pas du tout. C'est juste pour éclaircir un peu mes sourcils. À moins qu'une cliente se désiste. Il faut que je sois parfaite pour rencontrer le plus grand impresario de musique angolaise, Joël Capala. Qui? Oh, tu ne savais pas toi non plus? Ce monsieur qui était chez toi l'autre jour, c'est le plus grand impresario de la musique angolaise. Tu veux bien me répéter son nom, s'il te plaît? Mais tu es sourde ou quoi? Joël Capala. J'ai même sa carte de visite. Joël Capala, directeur général de... Musicao? C'est lui. Oh mon Dieu. Tu sais, quand Joël va m'entendre chanter, il va voir que j'ai du talent. Alors, je peux venir demain? Oui. Youpi, merci. Moi. Bonsoir, désolée pour le retard. Bonsoir, Vesa. Ciao, je dois y Bonne aller. Bonne soirée. Hey, Nair, tu es partie dans la lune? Oh, ma chérie, tu n'imagineras jamais ce que je viens de découvrir. Dépêche-toi de le dire, tu me fais peur. Joël Capala vient d'ouvrir une maison d'édition de musique ici à Luanda. Et alors quoi? Joël Capala. Oui, alors quoi? Ivo, ce garçon porte le même nom que celui d'Ivo. Joël est son fils. Attends, tu en es certaine? C'est peut-être un autre Capala. Oh, j'en doute. Le Joël de Jamila est le même que le Joël d'Ivo. J'en mettrai ma main à couper. Écoute, c'est le même prénom, le même nom de famille. C'est le fils d'Ivo. Tiens, mon chéri, j'ai préparé ce sandwich pour toi. Mange-le. Le voyage va être long. Non, merci, j'ai pas faim. Ça ne peut pas être une coïncidence, Vesa. Attends, Nahir, doucement. Si ça se trouve, ce garçon qui court après Jamila est juste un cousin, rien de plus. Je n'ai qu'un seul moyen de savoir que le Joël de Jamila est le même Joël que celui d'Ivo. Tu vas appeler Ivo? Sur le champ. Je peux plus attendre. J'ai une envie pressante. Fais bien attention, tu mets les pieds dans le noir, Ivo. C'est bien mon téléphone, hein? Le mécanicien lambda, tu veux que je réponde? Non, passe-le-moi, je dois lui parler. Mais t'étais pas pressé. Si, mais je peux attendre. Donne-moi le téléphone. Ivo, c'est pas bon de se retenir, je peux lui répondre. Passe-moi le téléphone, Rose. Ah, oh, toi alors. Merci. Allô? Oui, c'est moi. Je sais que je ne dois pas t'appeler. Mais j'ai une question à te poser. Est-ce que ton fils Joël a ouvert une maison de disques à Luanda? Oui, c'est bien lui. Et fais vite. Je suis en route avec ma famille. On ne peut pas parler de ça plus tard. J'arriverai demain à Luanda. D'accord. Je te souhaite bon voyage. Ciao. Il a dit quoi? Allez, vas-y, parle. C'est le même Joël. Son fils a bien ouvert une maison de disques ici à Luanda. Oh, quelle histoire! C'est ce qui s'appelle une coïncidence démoniaque. C'est une catastrophe.
Tu te rends compte, j'ai passé toutes ces années à protéger Gerson de cette vie de mensonge, et voilà, son frère est devant la porte de cette maison. Gerson peut tomber nez à nez avec lui. Il tombera nez à nez avec personne. Tu entends? Gerson ne découvrira pas la vérité sur son père, et encore moins sur cette autre famille. Qu'est-ce que tu peux faire, alors? Il n'y a qu'une seule façon d'empêcher Joël de rester au Dieji et de lui fermer la porte de ma maison. Et comment? En faisant tout pour que lui et Jamila ne restent plus ensemble. Un instant, s'il te plaît. Je ne comprends plus rien. Tu ne veux plus que Joël sorte avec Jamila depuis que tu as découvert qu'il est le fils d'Yvon? Tu veux que je fasse quoi? Jamila vit dans cette maison. Joël est amoureux d'elle. Ça veut dire qu'il sera tout le temps dans cette maison. Mais de quoi as-tu peur? Tu n'y as pas pensé, mais j'ai des photos d'Yvon disséminées dans toutes les pièces de cette maison. Oui, j'avais oublié. Et va vite se rendre compte que tu as une relation avec Yvon. Oh mon Dieu, ce que je crains le plus, c'est la réaction de Gerson. Je te comprends, ma chérie. Dieu du ciel, il n'imaginerait jamais que son père ait une autre famille. Imagine un peu que Gerson croise Joël ici, dans ce quartier. Il commence à discuter. Et ma famille ceci, le prénom du père, le nom de la famille, et pan! Et en 5 minutes, Gerson va découvrir que je lui ai menti depuis le début, enfin. C'est pire que tout, ma chérie. Qu'est-ce que tu comptes faire, alors? La chose que je vois, j'aime beaucoup Jamila, je l'aime comme ma fille. Mais il va falloir qu'elle parte de cette maison. Gerson doit passer en premier. Tu vas la renvoyer tout de suite? Je n'ai pas le choix. Écoute, avec le temps, elle se décidera à aller avec ce Greg. Avec qui? Son argent artistique. Allez, viens, ma chérie. Viens vite que je te fasse les ongles. Je te plains. Oh, Seigneur. Nahir, tu les limes seulement. Je ne veux pas de vernis. J'aime pas du tout. Oui, comme tu veux. Jamila m'a confié qu'il allait se séparer de sa femme. Oh, il est marié? S'il se sépare de sa femme, c'est qu'il est amoureux d'elle. Oui, c'est évident. Cette histoire entre Jamila et Joël appartient au passé, et cette histoire aurait dû en rester là. Mais tu n'es pas Dieu pour décider du destin de ces personnes. Mais je serai Dieu le Père, et je déciderai tout pour mon fils. Fais très attention. C'était horrible, Jamila. Clayde est sorti de la maison en pleurant, quand je lui ai dit que je ne voulais rien savoir. Puisque tu lui plais, c'est normal qu'elle soit triste. Et se sentir rejetée est pire que tout le reste. Elle a cru qu'on pourrait avoir une histoire et qu'on pourrait tomber amoureux tous les deux. Clay est jeune, très mignonne. Elle rencontrera très vite quelqu'un d'autre. Je l'espère. Je voudrais surtout pas perdre son amitié. Alors ça, seul le temps pourra te répondre. Est-ce que tu as mis ta mère au courant? Oui. Je ne peux pas dire qu'elle a apprécié. Elle qui pensait déjà à l'organisation de ce mariage. Je l'imagine très bien choisir la robe de mariée. Elle n'insistera plus à vouloir me jeter dans les bras de Clay, c'est déjà ça. Bon. Chérie, je ne sais pas si j'ai bien posé ce vernis transparent. Je suis tellement énervée, je suis désolée. Non, non, je voulais juste que tu les limes. Mais c'est très joli, ce vernis. Ne t'inquiète pas pour ça. Véza, Véza, ma vie est un éternel problème. Pourquoi dis-tu ça? Le Joël de Jamila est le fils d'Ivo et le frère de Gerson. Non, mais tu te rends compte? Ma chérie, dis-moi une chose. Tu vas vraiment demander à Jamila de partir de chez toi? Je n'ai pas d'autre choix, même si j'adore Jamila. Il faudra bien qu'elle s'en aille de la maison. Je dois défendre mon fils. Je te comprends, tu sais. Parce que pour protéger mon Philippe, je serai aussi capable de tout. C'est normal. Allez, c'est l'heure de rentrer. Tiens, voilà Clayde. Clayde? Viens me voir, ma chérie. Il faut absolument que je te parle. Viens. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Bon, j'y vais, je vous laisse. Quoi qu'il se passe, tu m'appelles. Je le ferai. Promis. Très bonne soirée. Viens là, Clayde. Je suis au courant de ta conversation avec Gerson. Je dois vous dire que j'ai honte. Je me suis trompée. Oublie donc. J'ai cru qu'on pouvait être plus que de simples amis. Oublie tout ça, je vais t'aider. Ne t'inquiète pas. Comment ça? Ah, Gerson est un garçon très timide, Clayde. Il passe sa vie à travailler. Il ne sait pas trop s'y prendre avec les femmes. Mais il a été très clair avec moi. Il ne m'aime qu'en tant qu'ami. Laisse-moi te dire une bonne chose. Après l'amitié vient toujours l'amour. Hein? Tu ne peux pas renoncer de cette façon après le premier nom, Clay. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Je vais te donner un truc pour conquérir Gerson. Vous croyez que j'ai une chance? Aie confiance en moi. Toi et Gerson, vous vous marierez avant la fin de cette année. Of go, put the music on flow. They should do the vibe. Let yourself go, put the music on flow. Don't care who.
pensar en nada. Vamos fazer conto de fadas. Não quero pensar em nada. Vamos fazer conto de fadas. As quijilas já vazaram. As quijilas já vazaram. Take me away. Let yourself go. Let's go out with the flow. Deixa-te levar, let yourself go. Podemos ir com o flow. Deixa-te levar, let yourself go. Podemos ir com o flow. Não quero pensar em nada. Vamos fazer conto de fadas. Não quero pensar em nada. Vamos fazer conto de fadas.